viens, on baisse, t'as pas parce que besoin. c'est ça, ça va être juste histoire de, tu vas mourir, on va pas. Comment ça? Je suis acteur de ce film, la putain de ta mère. Mais pour le moment, il est occupé. De maman qui t'a mis au monde. Ta maman. Tu vas te calmer, tu bouges. Ferme ta gueule, fais-moi rentrer. C'est soit au moins vous tuez la fille. Au moins la fille, c'est obligatoire. Et là, faut faire demi-tour maintenant. C'est vrai qu'il faut du gars. Mais c'est pour ta M que les lovés, j'ai beau donner et puis redonner. C'est Ricky qui finit par baiser. C'est pour ça qu'il me faut le million. Du coup, travaillons. Nouvel avion, petit camion, j'ai les beaux filons. Elle veut des talons, un nouveau chignon. Mais je suis pas con. Qui a osé collaborer avec les porcs? Quelle honte. Mienda. C'est toi le pilote, je suis sûr. Mais non, c'est pas moi. Je plaisante. C'est peut-être toi. Gustavo. Qui moi? Jamais de la vie. Mourir. C'était quoi ta phrase, même sous la torture? Même sous la torture, je ne collabore pas avec l'ennemi. D'accord. Et il y en a un sous la torture qui va vite collaborer. J'ai trouvé la balance. C'est vrai. Mais peut-être qu'elle... Enfin, faut voir. Peut-être qu'il n'y a pas eu de balance. Peut-être qu'ils ont juste guetté, ils ont trouvé. À cause de la panne, peut-être, non? Ils sont venus. Ou peut-être quelqu'un est venu avec un bracelet. Énormément d'options. Putain, elle va se faire cramer, wesh. Parce que eux, ils ont le bras long, ils vont voir avec les keufs, ils ont des taupes, wesh. Elle est finie. Bon, bah je vais décharger tout ça. Bien écouté. La cargaison, elle est dans l'autre le hélico. Allez, dans l'autre. Oui, vous m'avez dit que c'était possible de faire votre truc, là, tweet anonyme, là. Promettez 10 millions de dollars à la personne qui me ramènera celui qui a dénoncé ce qui est en train de se passer. Non, je vais m'en occuper. Je vais trouver la personne qui a parlé. Oh, je vous assure, Ricky. C'est moi qui m'en occupe. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, mais ça me plaît un peu quand même que la guerre se déclenche. Oui, c'est bien. Ils vont se foutre sur la gueule un petit peu pour savoir chercher la vérité. Ça va les animer, ils étaient tous là. Oui. Très bien, parfait. Je paierai, vous inquiétez pas. Est-ce que je peux vous parler, monsieur Gordon? Oui, monsieur. Oui, bien, parfait. Vous faites ce tweet, là, hein? Vas-y. Oui, je m'en occupe. Si, moi, je bien aidé. Ah, je suis mort de rire. Vous avez dit, chef, que vous pouvez trouver... Qui sait? Via le téléphone, si quelqu'un a appelé, c'est ça? Et le gouvernement peut retracer un tweet anonyme. Ah, eh ben, nique sa mère. C'est pour ça que je l'ai dit, mais tranquille. Putain. Eh, Ricky, il va trouver à 200%. Oui, je disais, on passera de voir. Mais là, je te parle sérieux. Hein. Là, Ricky va te trouver, c'est sûr et certain. Putain, mais arrête. Mais c'est sûr, hein, faut être réaliste. Là, maintenant, moi, j'ai peur, toi, tu te fais torturer. Ça se voit, tu balances tout le réseau, toi. Oui, bah, bien sûr. Ah, t'es prête à mourir pour Gordon? J'ai donné ma parole. Arrête, on va te commencer à te faire des trucs de fou, tu sais déjà. Tu sais que c'est pas la première fois qu'on me kidnapperait et qu'on me... Ouais, mais est-ce que tu... On a surtout pas Ricky, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ricky, Frankie, il va trouver c'est qui, c'est sûr et certain. Je le connais, il va la trouver. Et le problème, c'est que si elle se fait torturer, il y a moyen qu'elle craque. J'espère pas. Mais c'est pour ça. Oui, mais tu peux pas. Si on te. Il te fait des trucs de fou. Doigt par doigt, il te coupe des seins, je sais pas. Non, mais arrête de me parler de ça. Laisse-moi. Donc voilà, déjà je t'en parle, tu paniques. Donc là maintenant, faut que tu changes. Tu disparaisses. Ouais, on va garder notre calme. Frankie, il faut que tu brûles tout. Que tu te suicides. Ouais. C'est ce que je devais te dire. Mais attends, mais merde! Ah, faut que je le rende. Oui, donne-moi ça. Ok.
Quoi, tu veux pas le rendre? Non, bah non. Je me sentais en sécurité avec. Ah. Bonjour, t'en auras. Francky. Mais attends, mais c'est toi qui as piqué les boîtes de Sierra? J'en ai pris 3 et elle une. C'est plus efficace si c'est moi qui les ai, non? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'une femme va faire avec 2 chargeurs? Oui, t'as raison. Un suffit pour qu'elle se mette une balle dans la tête. Mais là, Francky, je t'explique. Dans le ventre. Je connais Ricky. Il va trouver ce qui a appelé. Anonyme, pas anonyme, il va trouver. Il va l'attraper, il va la torturer, elle va paniquer, elle va nous balancer. Sûr à 100%. Faut qu'elle change, que faut qu'elle... Faire. Bah bon, on va pas la tuer, elle est bonne. Mais faut qu'elle disparaisse. Ah oui, c'est vrai que tu veux... Ce que je te propose, c'est que ce soir, tu l'amènes dans ton lit, puis quand t'as fini ton affaire, tu l'étouffes. Avec un coussin? Ouais. Et si je fais pas d'affaire? Tu l'étouffes quand même. Ok. Mais après, comment tu vas faire disparaître le corps? Je le jette dans la mer. M'en bats les couilles, moi. Non. Non, mais plus sérieusement, j'en serais pas capable. Enfin, si, j'en serais capable, pardon. J'en serais capable, mais... C'est qu'une femme, c'est rien. Oui, mais je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Et la viande, on en fait quoi? C'est vrai, mais bon, après, moi, Francky, je trouve que t'abuses. Les merguez, ça suit au barbecue, pas quand même, pas sur la casinière. Ah, ça se brûle, oui, bonne idée, Gonzalo, ça se brûle. Brûlez le feu. Allez, on y va. Ça parle de barbecue. Ta gueule, la balance. Oh, ferme toi, gueule, ça toi, se voit, hein, Ricky t'attrape, il va être là avec son revolver, ok. Oh, nique ta mère, Gonzalo, c'est bon c'est. Oh, tu peux crier, mais t'es dans la merde. Bah pas, je tombe pas, mais je m'en bats les couilles, tu vas me dire, moi je suis qu'un soldat, moi j'ai rien fait. Tu vas balancer, c'est mon idée. T'as une preuve, t'as une source. Putain, je suis vraiment trop. Écoute. Merde. Mais je te jure que t'es dans la merde. Pour la vie de ma mère, j'essaye pas de te mettre dans le truc. Pleure. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Du coup, viens, on baisse parce que c'est, ça va être juste histoire de. Tu vas mourir. On va pas. Mais vas-y, arrête. Putain, mon dernier souci, ce serait pas de baiser avec toi, Gonzalo. Hein, sache-le. Hein. Mais pourquoi, bah, pourquoi arrête, laisse-moi. Je taperai un peu. On va voir le film, Francky. Il y a un petit film. Je suis acteur là, à minuit. T'as vu l'annonce? Il y a un film. C'est un film et c'est moi l'acteur principal. T'es acteur, toi? Ouais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un film? Bah, c'est que je suis acteur, non? Tu veux pas voir mes talents? Ok, je vais aller voir. C'est quand? C'est à minuit. D'accord. Et il est quelle heure? 30. Il est 23h30. Eh ben, je vais y aller, alors. C'est où? Ah oui, c'est mais au attends. Cinéma. Ok. Eh, Sierra, là, moi, je suis toi, la tête de ma mère, je vais au coiffeur. Je change de coupe, de couleur, de cheveux. Nouveau téléphone et alors c'est fini. Jette-toi d'un pont. Ou si tu veux. Non mais en fait le problème c'est juste on sait où je travaille, c'est trop facile en fait. On vient juste à l'agence. Mais tu changes tout. J'ai beau changer de couleur de cheveux, ça changera rien. Enfin, on saura toujours qui je suis. Bah ouais. Je vais faire un tatouage. Attendez. Bonsoir monsieur Gonzalo. Bonsoir, vous allez bien mesdames? Oui, ça va, namasté, vous? Namasté. Merci. Vous êtes tatoueuse? Moi, oui. Elle vient de faire un super tatouage et elle fait pas mal. Merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? Je fais doucement. Maylin. Maylin, merci beaucoup. Moi, c'est jazz comme la musique. Je repasserai vous voir, Monsieur Gonzalo, les frères. D'accord, parfait. Il y a une possibilité de prendre votre numéro. Je vous recontacte plus tard. Pour c'est 91-22. Envoyez-moi un message que j'enregistre votre numéro. Ça portera change, j'espère. Non, moi, c'est un petit... Je vous envoie ça. Oui, parfait. Flavio qui a le trait. Vous allez assister au film juste à côté? Je suis acteur principal de ce film. Oh, intéressant. C'est vrai, je viens voir. Bon, je l'ai déjà vu, mais je viens assister à l'avant-première pour les séances dédicaces, etc. Oui, c'est normal. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Parfait. Bonne séance, madame. Ah ouais, c'est bon. Hein. Eh ouais, hop là. Ah, non, non, bien, il est où, Francky? Patron. Ouais. Ouais. Y a un sous Francky, vous a dit. Ouais, mais je l'ai eu au téléphone, elle arrive, elle veut me parler, apparemment. Ouais, en gros, je vous explique. Là, elle l'a envoyé avec sa propre puce. Mais que ce soit en masqué ou pas, Ricky, il a assez le bras long pour trouver qui c'est. C'est sûr et certain qu'il va la trouver. Je pense qu'il y a 99% de chance. J'ai mis Ricky au courant du plan. Ah, ok.
Ben, je pense que mais c'est quand même une bonne idée de la faire paniquer, de la faire... Qui est le responsable ici? Parce qu'elle est, comment dire, là elle est en train de penser que ben, elle va se faire attraper. Et je pense que c'est une bonne manière pour vous de la tester. Ouais, en tout cas, Gonzalo, encore une fois. Excellente intervention quand je me suis énervé un peu, quand j'avais semblant de m'énerver là. C'est normal, c'est normal. Parfait, c'était mon meilleur moment, Gonzalo. C'est grave. Ciara. Gracias, gracias. Ouais, il y a un casino, tu peux même jouer avec des gestions. Ciara. Il y a même des tables de blackjack qui marchent. Bon, on va y aller après. Avec des... Ouais, si tu veux. Ciara, tu veux qu'on discute un peu? Ouais, je veux bien. Privé, du coup, c'est ça? Ouais. Bon. Je peux venir? Bah, bah tu restes avec Gonzalo et Franck. On revient, monsieur. Bien sûr. Je pourrais jamais apprendre si vous me mettez toujours à l'équerre. Ouais, petit, tu sais que devant toi, tu as l'acteur principal du film que tu vas regarder. Oh, toi? Tout de suite. Bah, si c'est sûr. Certainement toi, parce que c'est pas Francky. Excusez-moi, monsieur. Je suis acteur principal du film, s'il vous plaît. Gonzalo Brown. Elle est avec moi, la demoiselle, elle est avec moi. Gonzalo Brown, allez demander. C'est une amie à moi. Et j'ai eu aucune consigne de laisser rentrer des gens. Je suis acteur principal, monsieur. Oui, mais désolé, je vous laisse juste patienter devant. Je patiente pas. Moi aussi, je peux rentrer. Je peux me l'arrêter. C'est un acteur principal, mais on n'a pas le droit. Je suis acteur principal du film. C'est perfecto, il comprend bien, mais pour le moment, on va attendre un peu. Dick. Parce que l'intérieur, il est... Hermano. Dick. Bouge. Dick. Hermano, il est occupé. Allez. Petit fils de pute, je suis acteur de ce film. Je suis acteur de ce film, la putain de ta mère. Mais pour le moment, il est occupé. Ta pute de maman qui t'a mis au monde. Ta maman. Tu vas te calmer, tu bouges. Ferme ta gueule, fais-moi rentrer. Et je te fais pas rentrer. Dick. Allez, bouge. Dick. Dick. Va le chercher là. Ouais. Allez, bouge. Non, je bouge pas. Tu bouges. Tu vas bouger. Mais toi. Bon, écoutez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Regarde. Déjà, vous allez embaucher celui-ci pour le prochain. Il est occupé à l'intérieur pour le moment, t'attends ici. Oh, fils de pute, je suis dedans. Je crois que je serais venu vers là pour rien. Générer ce film. Aujourd'hui, écoute, Hermano. L'intégralité, je comprends bien, mais pour le moment, il est occupé. Je vais attendre ici. Je sais. Y'a quoi à comprendre? Ah, je sais. Il me vesqui, Jik. Il me vesqui, ce fils de pute de Jik. Il me vesqui. Oh non, pas lui. Bah, Yot, il s'était pas déclaré, c'est Yot à votre nom. Bon, écoutez, c'est l'intégralité ou la. Putain. D'accord, c'est l'avant-première. J'ai juré, je veux rentrer, ouais, je veux voir. Attends, allez hop. Voilà que je vais rentrer, j'ai juré. Regarde, tu l'entends. Ils sont à l'intérieur, c'est intéressant. On aurait tranquille. Brad Pitt. Je rentre avec Ricky, ouais, c'est le grand soir. Sécurité de merde. Des incapables. Je vais tout casser sur le teaser, hein. C'est terrible. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Faut payer pour ça. Ricky. Complètement fou. Moi, je suis l'acteur principal, je me fais recarrer pour rentrer. C'est quoi ça? Non, viens avec moi. Ouais. Sécurité de merde. Hop là. Ouais, ça tranquille. Ah, mais c'est toi, les. Viens avec moi. J'ai déjà présenté le plus beau gosse de la ville ou pas? Tu sais, le. Laissez-le rentrer, lui. Excusez-moi, poussez-vous. Excusez-moi. Reculez juste 2 secondes. On va commencer à mettre en place. Vous allez commencer à pouvoir entrer. Venez. Il vient avec moi, lui. Vas-y, tu peux y aller. Allez, ouais. Sur le côté, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est bien, bon toutou. Parfait. Eh ouais. Il veut m'enculer. Ouais. Attends. Oui, allô. Gonzalo, t'es où là? Je suis à l'intérieur.
Vous êtes où? Les gosses m'ont appelé, ils m'ont donné rendez-vous. Apparemment, ils ont des personnes qui sont prêtes à abattre parce qu'ils sont sûrs que c'est le coupable. Ah bon? Putain, moi je suis en fait à l'avant-première de mon film, du coup c'est compliqué pour que je vienne. Ouais, bien. Ouais, toi et Franck, les deux vous m'avez répondu la même chose, donc j'y vais avec le petit. Si t'as pas de nouvelles, je suis mort dans une demi-heure. Adieu. Attendez, au pire. Attendez, juste à l'instant, c'est vous. Ah, vas-y, cousin, laisse-moi, frère, toi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, On t'entend. Ouais, capitaine. Parfait. Du coup, tous les films que vous voyez derrière, c'est les avant-premières qu'on a tournées à Miami. C'était les films qu'on a produits pour pas mal de personnes là-bas, et je suppose que certains d'entre vous connaissent déjà la Bosco production. Ouais. Du coup, je vais laisser Dick Hammer finir. Dick, vas-y, fils de pute. Ouais, merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis vraiment très fier de me présenter à vous, donc Dick Hammer de la Dick Hammer Production and Company. Et vraiment, je suis très fier aujourd'hui de participer à la création du renouveau du cinéma de Wanwood. Ouais, c'est pour vous que je le fais. Ouais, c'est pour vous, spectateurs, pour vous, fans du monde entier, qui avez toujours soutenu la Dick Hammer Production, qui avez toujours soutenu le grand cinéma. Et malgré les larmes, malgré les sueurs, malgré les épreuves, nous avons su rebondir et rebâtir un empire sur les ruines d'un cinéma pourri. Voilà, faut bien l'avouer, parce que le cinéma, avant que j'arrive, c'était de la merde. Voilà. Ouais. Donc moi, je vous propose à tous, maintenant, d'écrire l'avenir du cinéma, même encore mieux, de tourner l'avenir du cinéma, tous ensemble, pour faire de Wanwood la je vais parler, moi, du cinéma. Parce que dans la vie, pour faire des grandes choses, il faut des rêves parler, d'enfants, il faut un soupçon, je sais même pas, je vais dire quoi. Un soupçon d'envie. Dis-moi des phrases qu'un acteur il aurait dit. Il faut plein de pognon, putain. Qu'est-ce qu'un acteur dit? Merci pour l'invitation, ouais. Et vive la cocaïne. Donc maintenant, on va aussi vous présenter le réalisateur du film, Monsieur Bosco, qui fait un travail extraordinaire, qui est vraiment l'avenir du cinéma, et il va pouvoir répondre à quelques questions après la séance. D'accord. Faites du bruit pour Monsieur Bosco, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Bosco. Ouais. Il est où? Et pour Carlos Pipi. Gracias. Très bien. Parfait. C'est bon. Le discours, le discours. Monsieur Bosco, allez-y. Ah, si. Ce soir, on va diffuser le court-métrage. L'enfer du casino, ça va être incroyable. J'espère que vous allez aimer. Merci d'être venu. Et bon visionnage. Merci. Ouais, casino, t'es moche. Une petite dédicace à mon ami de toujours, Donny, que je n'arrive pas à voir actuellement. Il est trop petit. Donny, je veux parler, wesh. Ouais. On voit pas. Tic, je veux parler. Je veux parler. Je t'aime. Attendez, il y a aussi Monsieur Gonzalo à ma droite qui a participé au film, acteur du film. Gracias, acteur aussi, principal. Un petit mot à la salle. Gracias, Gonzalo Brown, acteur principal du film. Merci à la Dick Hammer Production d'avoir fait confiance à mes talents d'acteur. Je vous remercie et merci d'être venu. C'est le premier, loin d'être le dernier. Gracias. Faites du bruit, s'il vous plaît. Le film qui s'appelle L'enfer du casino. Merci. Faites du bruit. Putain, je suis voué être une merde à vie. Installez-vous et on va commencer. Place Cazo. Sa mère la pute. Putain, je suis voué être une chienne. Oublie pas de mettre du son, Ricky. Faites du bruit, s'il vous plaît. Mais voilà que je savais que ça allait pas faire du bruit, j'ai fait exprès. Voilà. Ta merde. Ah, si, bien sûr. Vous pourrez bien sûr demander des autographes à l'acteur principal du film, hein. C'est pour 100$, il vous signe. Là, je veux mon RS3, moi. Tu prends une photo avec l'acteur principal, là, s'il te plaît.
C'est vous. Plus tard pour les photos. C'est seigneur. D'être venu, c'est incroyable. Non. Tu prends des photos, tu fais. Je voudrais juste rendre hommage à Juan, le second acteur qui est décédé malheureusement. Si vous pouvez faire 30 secondes de silence pour lui. L'acteur Jorge est décédé malheureusement. Gracias, priez pour lui. Gracias. La Dicamer Production vous a convaincu et vous a plu. C'est incroyable. Que vous serez là pour les prochains films. Prenez votre photo. Oui, monsieur. Bravo. Félicitations. Tu m'entends? Aux réalisateurs et aux acteurs. D'ailleurs, on recherche des futurs cascadeurs, des figurants, etc. pour le film. Donc n'hésitez pas à passer directement par Dicamer. Vas-y, prends ta photo. Il y aura bientôt des castings pour mon prochain film. Attention, on veut voir des gens motivés, hein. Oui, moi je suis cascadeur. Non, merci. Moi. Cooper, je sais que t'es cascadeur. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Passez-moi soirée. Je t'aime, Carlos. Moi aussi, je t'aime, Carlos. Ricky, mon cadeau, Ricky. T'as aimé, Ricky. Oui, je t'entends, c'est incroyable. Pour moi, une photo. On m'entend pas. Merci, Carlos, c'est un plaisir. En fait, on m'entendait pas. J'ai une question. Oui. Parce que là, tout à l'heure, tu me prenais pour un con. Oh, Ricky, t'as bien aimé. Mais vis-à-vis du maquillage, c'est pas vraiment du maquillage. Eh, tourne ta tête, là. Tourne ta tête. On fait la photo, là. Tourne ta tête. Pas. Mais c'est pas du maquillage, le mec il le tape et après il scène, c'est logique. Mais comment vous avez fait du coup après? Ouais, fais-le avec lui, c'est mieux là. C'est des effets spéciaux, Casso, c'est un film. Comment il s'appelle? Je sais c'est quoi des effets spéciaux. Et ben voilà, c'est tout. Et en gros, il y a du maquillage, du faux sang, du liquide, c'est pas donc je vais rien dire, si c'est pas c'est ton pote, pas trop bien. Non mais c'est un film quoi. Voilà, c'est dans la boîte de bar. Pourquoi il veut se tromper? Non, c'est le réalisateur du film. T'as vu Frankie? T'as vu la star? J'ai vu le film, il était très bien. C'est pas ce qu'on. Vous l'avez vu? Bah bien sûr. Jeune acteur incroyable, Gonzalo. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, patron? Bon, super, je lui fais des compliments, il en a rien à foutre. Ah, merci, mais bon, j'ai eu peur, je me suis inquiété pour vous, là. Ouais, bah pas trop quand même, apparemment, Gonzalo. Mais je vous ai rappelé, moi, avec lui répondu. Ouais, je t'ai énervé. C'est la merde, Gonzalo, là. Ah, comment ça? Bah, il se trouve que les wagons sont moins cons que prévu. Je pensais pas que c'est eux qui trouveraient la solution en premier et aussi vite. Bon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? En gros, ils ont une top au LSPD, apparemment. Ah, mais c'était sûr, je vous l'avais dit, c'était sûr. Moi, je pensais à Ricky, mais c'était sûr. Et du coup, ils ont trouvé que c'était Sierra. Ricky, je veux bien, c'est un gros mafieux, mais un gang de quartier, Topo LSPD, j'ai pas possible de le voir. C'est ça me paraissait bizarre. C'est même pas le buzz des Vegas, tu as l'air d'être un blouseille. Ouais. Et du coup, il peut pas avoir le numéro de la personne qui a envoyé le message, parce que c'était un anonyme, mais il a pu avoir les coordonnées GPS d'où a été envoyé le message. Et il m'a amené à ce point-là, et il me dit, à cet endroit-là, pendant toute la réunion, il y avait le pilote d'hélicoptère, une femme qui travaillait pour vous, Sierra, et l'Autrichien qui est passé une fois pour demander l'argent, je sais pas quoi. Je lui dis, comment ça? J'ai pas remis ça, j'ai fait comme si j'étais pas au courant. Elle t'a envoyé ça quand? Voilà, tout à l'heure. Enfin, elle m'a dit, parce qu'elle était au film, et elle m'a dit, Grave le mort, c'est le dernier film que je vais avoir avant de canner. Je lui dis, comment ça? Écoutez, Frankie, faut la tuer. On voit de tout. Vous savez quoi? Je vais la buter si elle commence à parler. C'est la meilleure des solutions. Putain, mais je vous la. Frankie, tout à l'heure, je t'ai dit, faut qu'elle se change. C'était sûr. Ouais, bah oui. T'as vu, Frankie? Au pire, c'est le gamin, non? Non, pas le gamin, c'est. Il est en vacances, c'est son père qui m'a demandé de le garder. Fais pas le con. S'il lui arrive quelque chose, je suis emmerdé, moi. Faire passer ça pour un test, c'est que j'y ai pensé, hein. Bon, attends, il y a plusieurs solutions. Soit elle parle pas. J'ai une idée, patron. On la charge dans le coffre et on lui dit. J'ai une idée. Attends, mais trop tard. Écoutez. C'était un test. Et vous allez donner une récompense au Vagos. Ok? Ouais. C'était un test. Gros, tout ça, c'est. Pas sûr. T'arrives dans combien de temps? Ok, bah viens, alors. Mais c'est bien, tant mieux, vraiment. Test, c'est le meilleur bail. Voilà. Alors, vous avez déjà trouvé. Il l'a trouvé. Alors là, par contre, là, j'ai rien fait. Hein. Mais ce gars,
Waouh, je n'ai jamais vu autant investi dans un dans une enquête comme ça, vraiment. Et du coup, t'as l'identité de la personne? Il va venir, je vais la prendre en même temps que vous. J'étais pas avec lui en fait. J'étais pas avec lui, il avait rendez-vous là que je vous ai dit. Et là, il crée un radio parce qu'il est content. Je suis trop fort, il dit. Vous êtes persuadé que vous avez la bonne personne? On va le découvrir ensemble, monsieur Gordon. Parce que là, j'ai deux hommes qui m'ont attrapé des shérifs et compagnie. Là. Ah ouais? Ouais. Ok, bah regardez, on va. Il arrive, c'était un test, c'est le meilleur bail. Faut qu'il dise c'était un test, il donne un cadeau aux Vagos. On va voir ça. Ouais. Vous avez vérifié ce qu'on vous a dit? J'ai commencé, oui, c'est. Ce qui est sûr, c'est que c'était au fond, pas le... au milieu de la piste. Non, mais il a dû faire legit, les gars. Commencez pas à pleurer, c'est sûr. Juste le bail de la pause, bon. Ah, il y a un biker apparemment. Ah, ouais, je vois. Ah, ok. Bon alors, le génie. Alors, vas-y, aux nouvelles. Bon, Gordon, c'est bon, je sais qui c'est. Ok, je t'écoute. Il est où, Ricky? Pas là, pourquoi? Bah, il voulait qu'il soit impressionné aussi. Oui, on est. Allez, vas-y. Il va accuser Ricky. On peut lui dire de venir? Ricky? Oui. Rien. S'il vous plaît. Bah, je prends là, mais... Je l'appelle. Il aime bien être félicité en fait. Ouais, non, mais... ouais, c'est pour ça. Ah, Ricky. Mais tu n'as pas la personne ici? Non. Mais ah, toi, au moins un modèle et il veut la chercher. De quoi? Rien. Bon, déjà, il faut savoir que je suis en contact direct avec les Poyos. Ok, je suis allé les voir. Je leur ai dit. Que il leur donnerait trois informations si jamais il me disait le numéro. Ok? Il leur a dit qu'il y en aurait deux de vraies, une de fausses. Attends, Ricky. Si on veut juste ou non, on ne veut pas que tu l'attrapes. Bref, bon, nique sa mère, Ricky. Tant pis pour lui. Ok, vas-y, ouais. En gros, ils m'ont donné le numéro. Ils m'ont demandé des questions, ils m'ont dit, d'ailleurs l'audio, ils m'ont dit qui était au Air Rancho avec le tourelle automatique. Il a dit MS-13, il a dit le dire. Okay. Ils m'ont dit pourquoi, il a dit pourquoi il avait fait une bêtise. Et troisième question, ils m'ont dit qui a organisé la vente d'armes, il a dit les passants du Mosley. Donc je sais pas si c'est des trucs, mais en tout cas il a dit ça. Donc désolé pour eux, si jamais ils se font frapper. Hein. Ouais, je préfère que tu dis ça que... Oui. Ils m'ont donné le numéro, il y a peu d'art. Qu'elle ne fut... Oh non, il faut pas dire révéler direct comme ça là. Si, ouais, direct là, vraiment là. Ah, là oui. Le stress est à son paroxysme. Bon, là, allez. Bon, mais à partir du moment où il veut dire un mot clé, vous allez tous comprendre qui c'est. Quoi? L'argent, ouais. Il est où? Oh, il est pas là. Il est où? Non, mais ça va, je vais te le filer l'argent, fais-moi confiance. Tu leur fais confiance, Lorio? Lorio, c'est bon, on s'en connaît quand même. Ok. C'est un chica qui a répondu. Ok, bon, parfait alors. Je vous avais dit quoi en plus? Attends, c'est soit la chica, soit le truc, hein. C'est qui? Vas-y, dis-le nom. C'est un chica qui a répondu. Il a dit, allô, Elvira, mi amor. Elle m'a dit, non, c'est pas Elvira. Il a dit, ah merde, c'est qui? Elle m'a dit, ben non, c'est Ciara. Il a dit, quoi? Non. C'est pas fini encore. Non, c'est pas possible. Il a dit, ah bon, qui Ciara? Elle m'a dit, Ciara, de l'agence immobilière. Parce que salope. Je ne me fie pas qu'un seul prénom. Moi, je veux tout. Il dit, ah, pardon. Et il a raccroché. Espèce de pute. Tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait... Bon. Tu me confirmes, hein? 7516, c'est bien son numéro? Moi, je confirme. Ouais, c'est ça. Ciara. Je sais où elle est, pour te voir. Elle m'a même dit plus. Il y a 2 secondes. Elle m'a dit, non, Ciara de l'agence immobilière, la blonde. Ok. Rocky. On est bien d'accord. Ah bah oui, on est bien d'accord, vous croyez pour moi, je peux l'avouer.
Là, faut que nous on l'attrape tout de suite. Faut pas les envoyer. Vous avez dit que c'était pas les autrichiennes, que c'était quelqu'un dans votre camp qui devait être bien à l'aise. Non, non, il a dit un claquement de moi, je la ramène. Ça veut dire que même le truc de position, t'as pas raison. Non. Ok, il faut la choper. Ouais, c'est Mastermind. Mais faut pas qu'il envoie. C'est vraiment bien. Ah ouais, mais. Elle a de toute la ville la cherche. Mais elle n'oublie pas de mettre un petit short bien serré. Hein. Bref, ouais. Gonzalo, Lilon. Ah, t'as que ça à dire, Gonzalo. Non, petite blague. Ouais, pour ouais, c'est l'atmosphère. Ça, ouais. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Oh. Ah, les enfants. Gangster, gangster. Les enfants. Calmez-vous. J'ai pas besoin d'entendre ça, là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, visiblement, il y a quelqu'un qui a fait fuiter mon nom. Et oui. Tous les gangs veulent ma peau, je ne sais pas. Un risque certainement de la police. Ouais, ouais. Mais là, il y a trois flics qui me suivent de A à Z, qui m'ont mis sous protection. Ah, mais attends, tu me dis ça maintenant là? Il y a des flics qui te suivent actuellement là? Non, non, mais pas là. Bah là, ils m'ont déposé quoi. C'est bien pour ça que je me suis changé et que j'ai changé de voiture. J'ai une voiture qui. Attends, je vais ouvrir le coffre. Okay. Une voiture que personne n'a jamais vue. T'as quelque chose à boire s'il te plaît. Attends, regarde bien Gonzalo. Vas-y. Vous savez comment son nom il a fuité? Ah oui, c'est un flic. Y'a quelqu'un? Mais non. Non. Tant mieux. Salopard, sous la voiture. Francky, la voiture. Oui. Ah, on est d'accord, moi c'était du baratin. Un sacré boule, oui, on est d'accord quoi? Non, mais on est d'accord. Mais elle me rétécite. Moi c'était du bluff tout à l'heure, hein, je... Vous avez dit quoi? Tout à l'heure, moi je plaisantais quand je disais, ouais, faut Nani, on voit, on l'a changé d'identité. Faut la tuer. Ah mais je suis complètement d'accord, mais vous savez, c'est pas moi qui prends les décisions. Merci. Non mais là, parce que là... Vous savez, moi je suis au même point que vous, hein, je suis pareil, hein. J'ai l'impression que vous me prenez pour votre supérieur ou je sais pas quoi, mais je suis pareil que vous. Hein. Ah bon? Bah oui, tous les ordres que je vous donne, moi, c'est parce qu'on me les demande de vous les donner. Ouais, parce que là, le souci, c'est pas elle. Enfin, si, le souci, c'est elle qui craque et qui nous dénonce. Le souci, c'est quoi? C'est les vagos, là, qui vont nous manger tout cru. C'est qui, ça? C'est qui? Sortez votre arme, sortez. Ouais. Ah bah, excusez-moi. T'es qui c'est toi? Madame qui m'a demandé de venir au cas où. Au cas où de quoi? Elle m'a dit de venir. Elle m'a dit il y a un rendez-vous. Qui, comment ça? Comment ça? Mais son Lorenz! Je me présente avant. Mais non. Mais si. Et elle t'a dit quoi? Elle m'a dit de venir. Ah ouais. Toi, du coup, Gonzalo. Gonzalo, la cité. Enchanté. Ouais, grâce à c'est. Bien aimé. Francky, faut pas être. Mais je comprends pas qui est cet homme. Son mari. Écoutez, ex. Ouais. Bah, du coup, tu peux foncer de ce que j'ai vu t'en profiter. C'était au cas où que ce soit un vagos, il fallait que je. Patron, c'est simple. Pas mort. Elle l'a ramené au cas où. C'est-à-dire qu'elle nous fait sûrement pas confiance. C'est alors, Mason. Non, le au cas où est assez bizarre. Non, elle m'a dit mot pour mot que je pouvais venir parce que j'avais du coup monsieur Gordon. Et que je dois voir un certain monsieur Gordon. On devait se voir, nous. Ouais. En tout cas, c'est quoi ton nom? Patron, vous devez le voir ou pas? Je sais même pas qui c'est. Bah voilà, elle l'a ramené parce qu'elle nous fait pas confiance. Aussi simple. Bah je sais pas, Sarah, tu peux peut-être dire les choses du coup. Vu que tu me ramènes à un rendez-vous, je suis pas convié de base. Alors oui, c'est parce que déjà, j'étais dans la merde, donc forcément je t'ai appelé. Mais parce que Monsieur Gordon et Mason pourraient travailler ensemble, c'est pour ça. Mais tu te fous de ma gueule là. Mais sauf que le problème c'est que moi je pensais que Monsieur Gordon était au courant que je venais. Et inversement. Mais c'est ton mari? Celui qui est mort dans l'accident? Ouais. Mais pourquoi il est là alors s'il est pas mort dans l'accident? Passe-moi ton calibre. Tu serais très compliqué. Attends, Sierra, dans un moment où tout le monde t'en cherche. Voilà qui vient nous niquer. Dedans, tout le monde. Venez on les tue wesh. Enfin, tu me casses le cul à pas te foutre une balle dans la tête pour essayer de te sauver. Tu me ramènes ton ex-mari mort pour faire une rencontre de sympathie. C'est ça? Non, la rencontre était censée être faite avant que tout ça se passe. Et qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Voilà, elle est trop conne. Pas, il est mort ou il est pas mort? Bah, je crois qu'il est une autre histoire.
Mais Sierra, tu me chies dans les bottes là. Ah bah t'es clairement en train de me chier dans les bottes ça. Non. Et ton enfant, il est vraiment mort ou... Oui. Ah, celui-là, il est vraiment mort. Là, la seule solution que je vois là, c'est une balle à chacun. Et puis moi, je repars tranquille. C'est bon. Mais c'est pas nécessaire, mais... Quand t'es dans un moment où je suis en train de me crever le cul à payer 10 millions de dollars pour essayer de te sauver, j'attends de toi que tu sois un petit peu exemplaire quand même. Écoute, dis-moi la vérité, t'as dit quoi exactement? Regarde, moi, on trouve une solution, sois honnête. J'ai besoin de voir Monsieur Gordon par rapport au service qu'il vend. D'accord. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu peux venir au phare, il t'attend. D'accord. Elle m'a pas dit, Mason, protège-moi tout Mason, ça. Mason. Dis-moi, boss. T'as envie que je te nique ta grand-mère ou pas? Dis-moi. Ma grand-mère est morte malheureusement. Ouais, m'en bats les couilles moi. Est-ce que t'as envie que je pète un câble? Non, t'es venu, tu m'as dit qu'elle t'a dit de venir au cas où. Sois honnête, je suis pas contre toi. Sois honnête. Non, mais, Gonzalo, et moi je vais t'expliquer. Je te répète la chose. Je suis non, là t'as changé, là t'as changé de version. D'accord. J'ai besoin des services de Monsieur Gordon parce qu'on a un ami en commun entre lui et moi, que j'ai besoin de ses services et que Sarah m'a mis en contact avec Monsieur Gordon en disant viens au phare. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'il nous a dit quand il est arrivé? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Au cas où, je serais venu comme ça un pro. Moi je comprends pas ce que tu fous là alors que eh ben, je comprends non, attends, Francky. Sarah me dit tout simplement de venir alors que vous êtes pas au courant. Non, Francky il est descendu de la voiture, il a dit quoi? Elle m'a dit de venir au cas où. Oui. On est d'accord. Ensuite, là, il s'en est rendu compte qu'elle devait pas faire ça, que lui, il devait pas venir aussi directement. Tu continues ma carte SIM ou ça se passe comment? Mais justement, c'est vrai, c'est pas con ce qu'il dit. Ah oui, je serais pas. Tes premiers mots, c'est au cas où en fait. Donc tu sais très bien ce qui se passe. Ouais, en fait. Tu sais très bien qu'elle est en danger. Je vous redis maintenant le truc, j'ai dû m'embrouiller dans mes mots. Maintenant, la vérité est que je devais venir parce que je devais voir M. Gordon. D'accord. Je crois pas. Moi aussi, parce que c'est bah, ni le moment ni... De trouver un terrain d'entente si vous me croyez pas. C'est assez con. Là, tu es au courant de ce qu'elle a fait ou pas? Bah écoute, tu as encore des sentiments pour elle, non? Ex. Ok. Et toi, t'as un truc pour elle, du coup? Pas du tout, moi j'aime toutes les femmes de la ville, c'est rien de... Bon, j'ai une idée, messieurs! Attendez, reste là. Mettez-moi les deux en joue et amenez-les au bord du rocher, là-bas. Attends, patron, je peux discuter avec vous, 2 secondes. Ouais, mais d'abord, juste avant. Ça. Vous êtes sûr? Oui, sûr. Patron, attendez, venez, non, c'est mais... très... Fais-moi confiance. Là, en fait, je vous explique. Sûr, à 100%, elle l'a ramené pour qu'il la protège. Lui, il a fait l'erreur de sauter dans le tas. Ouais, et là, elle va comprendre que c'était une bêtise. Oui, mais là, si vous la tuez devant lui, c'est la merde. Ah non, bah, je vais tuer les deux. Bon, je... Monte mettez là-haut, les là-haut. Deux face à la mer. Prenez 2 minutes pour réfléchir un peu sur vos vies. Faut que je passe un petit coup de fil. Hein. Tu comptes dire la vérité ou ça se passe comment? Quelle vérité, je viens de tout dire là. D'accord. Ouais. Bon alors Monsieur Gordon, si je peux me permettre. Ouais. Ah monsieur, il avait déjà disparu puis il a réapparu. Que... Oui, eh ben ça veut dire qu'il a un peu d'expérience, il sait comment faut faire, les, il va apprendre l'expérience à faire pareil. Je le répète, au cas où, j'ai vraiment besoin de ce rendez-vous avec Monsieur Gordon, mais si je peux pas l'avoir, il n'y a pas de problème. Monsieur on Gordon, se recroisera ça va mal finir. Plus tard dans longtemps, monsieur. Francky. Aucun problème. Aucune condition n'est réunie. Profitez-en là, pour regarder c'est un du peu, suicide. Mais on disparaît, ils vont aller nous balancer. Oui. La surface de cette île. Patron. Monsieur Gordon. Ils vont aller nous balancer là. Et quoi? Ils vont nous dénoncer là. C'est sûr et certain. Ordre de Ricky et du MS-13, on les bute pas. Force à lui, hein. Vous voulez pas aller discuter avec lui, savoir ce qu'il voulait? Ils vont pas disparaître, hein, patron. Autant savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient. Ouais, mais le truc, c'est que s'ils disparaissent pas, ils meurent tous les deux. Autant les tuer. Mais vous voulez pas savoir par curiosité ce qu'ils vous voulaient? Pas trop, non. D'accord. J'ai pas capté, wesh. Ah là, parce que le Mason, c'est...
Cassis l'est plus maintenant, mais c'est un ami des Vagos. Là, c'est fini. Là, quand on va lui assumer que c'est vous qui lui avez demandé de balance, etc. Attends, ça veut dire que c'est un ami des Vagos. Ben oui. Là, c'est du suicide total, là, ce qu'on est en train de faire. Mais pour moi, faut c'est soit au moins vous tuez la fille, au moins la fille, obligatoirement. Et là, faut faire demi-tour maintenant avant qu'elle lui explique. Allez-y. Il a raison. Il a raison depuis le début de la soirée, faites-lui confiance cette fois. Parce que là, lui, il est pas au courant. Elle lui a juste demandé de venir la protéger. Les deux, c'est tout, il n'avait pas qu'à être là. Non, tu es... Faites demi-tour et chargez dans le coffre. D'accord. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, tu as douté de mon honnêteté envers toi? Non, pas du tout. Alors, je te le redemande. Pourquoi tu as pleuré dans mes bras la mort de ton mari qui n'était pas mort? Cousin, Wallo, comment tu vas? Wallo, ça va pas, là je suis dans une galère. Vous avez vu où est-ce qu'on était? On a retrouvé la chica et c'est vrai que vous vouliez pas qu'on la tue. Ça. En fait, je vous explique, la chica qui appelait les Speedy. Ouais. Et ben en gros, elle est venue voir Gordon, sauf qu'elle a fait une petite action bizarre. Elle a ramené son mari là, qui était mort soi-disant, au cas où. Et là, il y a les deux. Le problème, c'est que là, ils veulent les laisser, mais s'ils les laissent, c'est la merde totale. Oh bon, bah elle est morte. Non, elle est morte, ils viennent la tuer. Ah ok. Mais l'autre, le Mason, on en fait quoi? C'est juste, on peut au moins se décaler de la maison et... Là, tu sais, là, c'est l'homme de Gordon. Il a pris la bonne décision, putain. C'est ça. Et moi, l'autre aussi, parce que j'ai peur que l'autre, ça devient... Il veut venger tout le monde. En fait, je vous explique. Elle est venue au rendez-vous de Gordon, et elle a envoyé la position à Mason pour qu'il la protège. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis. Et le Mason, il est devant nous. Et là, on va le laisser partir. Et il va partir... Regarde rapido et ses frères, où est-ce qu'ils sont? On n'en sait rien, juste moi, c'est très con.